Allez, allez, vas-y, mon pote. Allez, viens se marier, tu vois. Viens se marier, allez. Attention, je rappelle les règles. Oh, bravo, chouchou. Aïe, 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 aïe. Joueur de rugby. Joueur de rugby. Jeannette, tu me rends mon pareo maintenant. Bah quand tu m'auras rendu mes lunettes. Non, ça va, je te les ai pris 5 minutes, tu peux prêter quand même. 5 minutes, mais tu rêves ma petite fille, ça fait 3 jours que tu les as mes lunettes. Et alors? Mais t'es égoïste, t'es une sale petite peste. Je suis une quoi? T'es une peste. Ah, je suis une peste. Oui, t'es une peste. Bah, tu vas voir ce qu'elle fait de ton pareo, la peste. Tu vois ce qu'elle fait, la peste. Je vais regarder ce qu'elle a fait, je regarde, elle m'a déchiré mon pareo. Oh. Hey. Vous êtes plus des gamines, hein? Calmez-vous un peu les filles, Alex, prête tes affaires là, ta copine. C'est quoi ça? Ça veut rien dire ça, hein? Je t'en paierai des parios, jamais. C'est con les meufs. Ça c'est pas se détendre. T'as vu ça un peu? Oh, là. C'est 4 jours qu'elles sont dans le bateau et se bouffonnent déjà. Elles ne savent pas s'amuser. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas? Mais non. Regarde-nous. Mais on profite. Bah on profite, on bouffe bien. On se raconte des vannes de cul. L'apéro. L'apéro. On ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et C'est super beau Porquerolles hein, quand même. Hein. Oh t'as vu les plages quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Ouais, justement, on a eu une petite idée avec Jeannette là. Oui, on a eu une petite idée. Ah bon? Et c'est quoi votre idée? Bah, on s'est dit que vous pourriez rester encore 4 jours avec nous sur le bateau. Comme ça, demain, on va faire bronzette, on part pêcher pendant 2 jours. Et le dernier jour, on fait le tour des criques. Ça vous dit, non? Ah, mais moi, je trouve ça génial. C'est génial. Ah non, je suis super contente. Je m'en doutais. Oh, ma chérie, j'étais sûre que t'allais dire oui. Eh, hey, ça s'arrose. Ah oui, c'est clair. Ça se fait. Allez, je vais chercher du champagne. Il y a un petit peu de caviar. Allez. Allez. Voilà, super. Je vais te dire, ça ne m'emballe pas du tout, mais du tout, de rester encore 4 jours sur ce bateau. Voilà. Bah, de toute façon, tu les aimes pas, mes amis. Hein. Mais c'est pas ça. Mais j'ai envie d'être avec toi aussi, qu'on soit tous les deux, qu'on profite des vacances, quoi. Tu vois, là, on non, mais je sais très bien que tu n'aimes pas mes amis. Mmh. Tu ne les aimes pas parce qu'ils ont de l'argent. Bah, si, c'est vrai. Bah oui. Alors, c'est vrai que Roger, il est un petit peu beau et limite. D'accord. Qu'elle est vulgaire et pas fine. D'accord, c'est vrai. Mais moi, Jeannette, c'est ma super copine. Je l'aime. Je l'aime, oui. Alors, faut dire qu'elle a rien dans la tronche, qu'elle a autant de classe qu'une serpillière, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ma meilleure amie. Je peux rien, c'est ma meilleure amie. Voilà, c'est tout. Tu sais la différence qu'il y a entre toi et moi, Jean? C'est que moi, j'aime les gens. Je suis positive. Alors que toi, tu ne sais que critiquer. Et voilà. Allez, à la nôtre. À la nôtre. Chine, Jeannette. Chine, Jean. Chine. Chine, mon rendez-vous. C'est gentil. À nos 4 jours. À la bronzette. Oh mon ici, qu'est-ce que je suis content. Hein? Que Jean aussi il est content. Hein? Qu'est-ce qu'on est bien là. On est bien. Hein? Oh là là, ça me détend moi. Ah, moi, le soleil, je pourrais plus... L'eau est son élément. Il a été recruté à l'âge de 8 ans par les Marines. Son nom de code? Le Condor des Mers.
Son vrai nom, Jean Bond. Sa mission, aller là où personne ne va plus. Il peut tuer, il peut mordre. Il est l'arme absolue. C'est l'opération Extermination. Il va investir le bateau. Et lui n'a que ses poings pour lutter. Il est l'arme. Il est le dernier recours contre le mal. Il est le renard des mers, prêt pour l'opération Total Elimination. Avec la fougue de l'éclair, il s'infiltre sur n'importe quel bateau. Il est le sel de la mer. Il est le tranchant de la lame. Il est beau. Il est fort. Il est indestructible. C'est Jean Bond. Jean, ça suffit maintenant. Hein. On va rentrer. T'arrêtes de faire le gamin. Jean, ça suffit maintenant. Aucun ennemi ne lui échappe. Jean Bond est toujours prêt à riposter. Rien ne le surprend. Rien ne lui fait peur. Il sait faire ça et ça. Tarentule, requin, murène, sardine, araignée des mers. Il va tout latter. C'est Jean Bond. C'est un malade, un fêlé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, même pas mal. Jean, tu rentres maintenant? Oui, oui, oh. Mais c'est chiant, votre bateau, votre champagne, là, oh. Vous vous amusez jamais, c'est un ennui. Personne veut jouer avec moi, personne. Je crois que l'année prochaine, je vais me mettre en colo. Ah oui, mais le en colo, ça nous fera des vacances. Jean Bond! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Qu'est-ce qui t'a pris? T'as pété les plombs ou quoi? Mais non, je... Bah non, bah si! J'ai pas pété... Bah si! Si! Tout allait très bien. On a passé une journée extraordinaire. On était sur un bateau magnifique. Mais toi, évidemment, il a fallu que tu la ramènes. Mais qu'est-ce que t'avais besoin de parler, culotte de cheval de Jeannette? Hein? C'est vrai aussi. Mais tais-toi! Tu te tais! Et Roger, qu'est-ce que t'as eu besoin de lui rappeler qu'il avait payé pour avoir son permis bateau? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre à toi? Hein? L'important, c'est qu'il a un gros bateau et qu'il nous invite! C'est pas vrai? Tais-toi! Tu te tais et tu rames! Vous habitez ici? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je suis contrôleur des impôts, j'avais rendez-vous. Contrôleur des impôts? Ah oui, d'accord! Ah d'accord, j'en étais sûre! J'étais sûre qu'ils avaient des problèmes d'argent! J'en étais sûre! Qui ça? Oui, oui, bah ceux qui habitent là! Ah oui! Ils sont contrôlés parce qu'ils. Oui, ils sont bizarres. Hein. Ouais, ils sont étranges, oui. Vrai. Vous êtes? Des amis. Enfin, des amis. Du voisin, quoi, des connaissances. Oui, on vient arroser les plantes, c'est tout. Ça, ouais. Voilà. On venait rendre les clés d'ailleurs. Voilà. Ils sont pas là? Ah ben là, ah ben là je crois pas, hein! Jean, Alex! Bah non, ils sont pas là. Bah non, ils sont pas là. Bon, remarquez, je vais les attendre un petit peu. Ils sont pas partis en vacances? En Ukraine, si, si. Un bon 3 semaines. Bah si, c'est ça. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on vient arroser les plantes d'ailleurs, parce qu'ils sont partis en vacances. Voilà. Ouais. Bah, vous leur direz que je repasserai. Hein. Oui, d'accord, on leur dira. Voilà. Je vais pas les oublier, moi. Non, sans doute. Non, bah, bon, bah nous on va y aller parce que de toute façon on n'habite pas ici, hein, puisqu'on n'a rien à voir. Rien à voir ici. Voilà, avec. Allez, allons-y, Martin. Enfin, voilà, allons-y, Martin. Au revoir. Au revoir, hein. Bonjour. Moi non plus, je passe par où? Pardon? Moi non plus, je vais passer par où? Je comprends pas. Quand vous? Moi non plus, je ne sais pas ton petit. Je suis pas ton petit. Bonjour. Bonjour. Je suis conseiller beauté chez les laboratoires Gilles Duchesse. Ah oui. Quels beaux cheveux vous avez là. Ah, je vous propose un shampoing qui va les mettre en relief, car ils sont déjà extraordinairement beaux. C'est également vrai. Pour votre peau, qui est très douce. J'ai également, pour les poils récalcitrants de votre petite moustache là, une crème particulière, super efficace.
Et pour une lotion aussi anti-culotte de cheval, parce que apparemment vous en avez un petit peu besoin. Non, mais ça va pas venir insulter les gens chez eux. Non, mais c'est ça, dégagez avant que je m'énerve. C'est ça, dégage. Pauvre type, hein. Non, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Non, mais attends, venir insulter les gens chez eux comme ça, là. Il est pas bien ou quoi, ce mec? Mais il est pas bien ou quoi? Toi qui es si belle en plus. Moi qui suis si belle en plus. Comme un cœur. Comme un cœur. C'est magnifique. Bah oui. Oui. À vous de coffrer, connasse. Oui, alors attendez, faut voir avec mon mari, ça. Jean. C'est lui qui s'en occupe, hein. Jean, viens voir, s'il te plaît. Jean-Mi, le problème, c'est... Attends, quitte pas, Jean-Mi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je sais pas, j'ai pas très bien compris. Il veut rentrer chez nous, il veut nous prendre nos économies. Enfin, je sais pas, hein, c'est ça? Non, pas tout, pas le temps, là. Oui, Jean-Mi. Je suis désolée, on est super occupés. En plus, moi, j'ai une béchamel, je voudrais pas la rater, hein. Merci, essayez en face, c'est sympa. Au revoir. Bonjour. Bonjour, c'est bien ici qu'elle vit, Alex? Enfin, Alex et Jean. Ah ouais, et toi t'es Jean? Oui. Ah, ok. Et qui était son colocataire? Non, pas vraiment, non, non. Non. Bon, non. Elle est là, Alex? Non, elle est pas là, Alex, mais t'es qui, toi? Un ami. Un ami? Hein? Je te connais pas, moi. Mais moi non plus, je te connais pas, elle m'a jamais parlé de toi, Alex. Ah ouais? Hein? Ah ouais. Et qu'est-ce que tu lui veux? C'est personnel. C'est personnel? Ouais. Ben sache que personnellement, j'ai envie de te péter la gueule, là, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est parti, là. Eh ben un ami à toi, mais dans deux minutes, c'est plus rien, là. Mais c'est qui, cette meuf? Qu'est-ce que... Bah, Alex, enchanté. Enchanté, Oliver. Ah, vous vous connaissez pas? Bah, non. Ah, bah, non. Moi, c'est pas cet Alex que Cerf. Ah, pardon. Bah... Merde, pardon, excuse. Oui, vraiment, on est désolés, parce que là, c'est... des confusions, quoi. Bon, en même temps, j'ai commencé. Hein. Bah, oui. Hein? Oh, non, écoute. Genre, doucement. Oh, voilà, ça y est, allez. Ça y est, y'a plus rien. Allez, ça y est, y'a plus rien. Voilà, on est désolé. Bah, cool. Hein. Attends. Non, ça, genre, écoute. Oh. C'est gamin, hein. Allez. Voilà, ça y est, c'est fini. On est vraiment désolé, hein, vraiment. Hein. Oh. Allez, bonne chance hein, pour votre Alex. Merci. J'en ai ras le bol, j'en ai marre. Je veux plus te voir, dégage, je veux plus te voir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Deux, trois, quatre, cinq. Et tes bijoux pourris, tu peux te les garder. Et le final. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis désolée, Loulou, je regrette. Oh, je t'aime. Ça va, calme-toi, c'est bon. Calme-toi. Oui, c'est rien. Loulou, pardon, je suis désolée, pardon, Loulou. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jeannette? Disais l'autre soir, j'ai quitté mon cours de stretching un petit peu plus tôt et, ouais. Et puis je les ai trouvés dans mon lit, mon Roger, avec une petite garce qu'il chevauchait. Non! Disais quoi? Non. Je sais pas, moi, dois avoir 23 ans. Oh, c'est dégueulasse. Et puis elle a des gros seins. Oh, c'est dégueulasse. Et puis pas un pet de cellulite. Oh, y a vraiment des filles qui ont aucune morale. Y a aucune, ouais. En plus, elle avait l'air de prendre son pied la garce. Oh, Jeannette, c'était pas vrai, peut-être. J'appelle Roger, deux secondes. Non, t'appelles pas Roger. Quoi? Roger est notre ennemi, maintenant. Je l'appelle pour le sermonner, pour l'engueuler, pour lui dire qu'elle est malheureuse, c'est tout. C'est pas pour lui demander des détails? Je suis comme ça, moi. Mais j'espère bien. Attends. C'est pas grave, Jeannette, ça va aller. Calme-toi. Tu sais, de toute façon, il n'arrivera pas à la voir, mon Roger, parce qu'il est en Suède. Oh. Et les Suédoises. En plus.
le salaud! Oh, suédoise! Jean, mais non, tu dégages! T'appelles pas Roger ici! Oui, oui, je veux. Pardon, ouais. Roger! C'est pas grave, je. Dis, oh, Jeannette, c'est pas grave, Jeannette, ça va aller. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est drôle, toi. Suédoise, mon cochon, tu vas te. Bon, Jean, mais non, tu sors de là tout de suite! C'est pas grave, Jeannette, je vais m'occuper de toi, moi. Mais arrête de dire, c'est pas grave, c'est mon Roger, mon sang. Ben oui, mais qu'est-ce que tu. Roger, mais j'ai un coup pour moi! Non, mais non, ça suffit! Tu sors, tu sors! Attends la nuque. Voilà. Tu souris moins, Roger. Ah, hein. Tu souris moins. Dans oh, qu'est-ce que vous faites là? C'est Jeannette, elle a acheté des poupées voudou cet après-midi. On est en train de se venger sur Roger. Ah, Jeannette. Ah, ouais. Vous êtes fait rouler, c'est pas les poupées vaudou ça. Si, c'est pareil. De toute façon, c'est pas avec ça qu'il reviendra, Roger. Mais on veut pas qu'il revienne, on veut le faire souffrir, Roger. Ah, Jeannette. Ouais. Tiens, maintenant je vais lui faire la bouche. Comme ça, il aura une haleine de chacal. Tiens. Elle va être contente du voyage à Grenouille. Exactement. Et après. Et maintenant on va lui faire les fesses. Comme ça il aura des hémorroïdes. Oh. Des gros hémorroïdes. Hein? Tu veux que je te fasse rire? Il y en avait déjà. C'est pas vrai. Attends, là on va lui faire une énorme. C'est horrible ce que vous faites. Oh. On n'est pas horrible. Attends, c'est lui qui s'est barré avec une minette, je te signale. Hein. Attends, faut que t'arrives pour faire ça, franchement. Attends, allez. Jean, je te signale que ça se vend par deux. Oh. Alors retourne tranquillement voir ton match de foot, s'il te plaît. Ah, j'ai peur. Bien. Aïe. C'est bon, tu me laisses ? Cool. Allez, Jeannette. Et maintenant, vengeance ! De toute façon, c'est un salaud. Tous les mecs sont des salauds, de toute façon. Oh, arrête de dire ça, Jeannette. C'est pas bon, ça, Jeannette. Tu veux qu'on te présente des copains à nous ? Oui, des célibataires, bien sous tout rapport, vraiment. Non, non, c'est gentil, mais vraiment, j'ai pas le cœur à ça. Mais qui te parle de cœur ? On te parle de... Tu vois pas qu'elle souffre ? Tu vois pas qu'elle souffre ? On me disait, c'est vrai que je souffre. Je crois que je m'en remettrai jamais. Arrête de te mutiler, Jeannette, c'est bon, là. Si on lui présentait Christian ? Oui, excellente idée. Oh, il est super, Christian. Vous allez très bien vous entendre, je suis sûre, hein ? L'appelle. Ah ouais, vraiment. Non ! Si, Jeannette ! Et puis même si c'est pas un petit copain, mais ça pourrait devenir un pote. Christian ! Hein ? Christian, c'est Jean, ça va ? Tu verras. Ouais, super. T'es en main en ce moment ou pas ? Bon, écoute, j'ai une nana à te présenter, là. Ouais, ouais. Une femme, une vraie femme, ouais. Ouais, ouais. Jolie femme, très jolie femme. Oh là, super belle, divine, magnifique, c'est un paquet de chez paquet, tu vois. Ah ouais, c'est une bombe de chez Hiroshima. Ah moi je vais te dire, ça serait pas la copine d'Alex, il y a longtemps que je l'aurais poutrée. Bon mais Jean, ça va, vous voulez pas que je vous laisse les deux non plus? Bon, je te laisse, un peu chaud là. Attends Alex, j'essaie de lui trouver un rancard là, ça va? Ouais, c'est ça, je te connais Jean, hein. Fais gaffe. Mais te fâche pas Alex. Bon, toi t'as pas sonné, hein. Et je pensais pas un mot de ce que j'ai dit Alex. C'est vrai? Bah, tu l'as regardé? Regarde, elle fait des bulles avec son nez et les yeux rouges, elle est... Écoute... Oh non! Oh non! Oh, franchement, c'est malin, Jean! Regarde ce que t'as fait! Mais oui, mais attends, il faut qu'il y ait des aussi avec vous! Non, non, Jeannette, non, vraiment, Jean, ne pensez pas ça, je suis trop Jean, tu dégages! Mais non! Jean, tu dégages! Tu dégages! Ça m'apprendra. C'est pas grave, Jeannette, c'est pas grave! Non, mais Jean, ne pensez pas ça, c'est... Non, Jeannette, c'est pas grave, calme-toi, c'est sûr que moi, je peux pas vraiment comprendre ta situation parce que je me suis jamais fait larguer. Donc, tu vois, je peux pas effectivement... Bon, tiens, Jean, j'ai une idée. Mais... Tu veux pas aller chercher les photos de nos potes, comme ça on va les montrer à Jeannette? Hein? Ouais, bonne voilà. Idée, ça. Très bien, c'est une bonne idée, ça. Tu vois, il y en a des super mignons. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Attends, allez, monte, super monte. Super pote, moi. Ouais, ouais. Tiens. Alors. Alors, lui, c'est Oliver. Ouais. Très sympa. Sympa, lui. Ouais, ouais, très sympa. Ouais, sympa, mais c'est pas du tout mon genre. Oh. Bon, lui, c'est Dom. Bon, ouais. Belle situation. Très belle situation. Oh, très, très belle ça. Situation. Ouais, ouais, sortir, mais non. Non. Lui, c'est Grégory. Ah ouais, lui, il est super mignon. Ouais, attends, j'adore. Ouais, ouais. Ah oui, oui, j'adore. Tu vois? C'est vrai qu'il est beau, ce con. Non, c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais, il est beau. Non, c'est vrai. Mais il embrasse super mal. En plus, il met même pas la langue, c'est complètement nul. Comment tu sais ça, toi? C'est Magali qui me l'a dit. Alors, après, Magali, tu as David. Elle ne connaît pas Magali. Si, elle le connaît. Elle ne connaît pas Magali. Ils ne se connaissent pas. Si, ils se connaissent. Non, Magali ne connaît pas Grégory. Si, ils se connaissent très bien. Me cache quelque chose. Non, Jean, je ne te cache rien. Ça sert à rien de faire une scène de jalousie. En plus, c'est un très mauvais coup. Alors, je vois pas pourquoi on fait toute une histoire. S'il te plaît. Elle a raison, c'est logique. Hein. Voilà, c'est juste. Mauvais coup. Allez, ouais. C'est logique. Bon, ensuite, là, tu as David. Il est très mignon. Oui, très sympa. Il est mignon, mais. Voilà. C'est logique, mais c'est louche quand même, t'avoueras. Écoute Jean, non, bah, écoute Jean, ça suffit maintenant. Quoi? Tu vois pas que Jeannette elle est en pleine détresse affective là? Tu le vois pas ça? Pourquoi tu ramènes tout à toi? Ton petit monde, ton petit ego, t'es égoïste hein? T'as pas honte?
Bon, ok, excuse-moi, bon. Jeannette, pardon. Voilà. Non, mais c'est vrai, écoute. C'est vrai quand même. Tiens, ça c'est Oliver encore. Très très mignon. Tu m'aimes encore? Bien sûr que je t'aime. Bon, écoute, Jean, laisse-nous, s'il te plaît. Oh. Laisse. Allez. Et mignon, mais spécial, hein. On a eu chaud, Jeannette. J'ai failli pas avoir là. Merci, hein. Du coup, la logique, là, super. Oui. Oh, lui, il l'embrasse super bien. Ah, il est pas mal, hein. Ah, il est pas mal. J'aime bien. Puis, là, il est juste ici. Quoi, à la base, ça, c'est une table de billard, ok? Alors, on l'a loué une heure, on fait ce qu'on veut, hein? Bah ouais, on est libre, on a payé, hein, on peut jouer à la marelle, on peut jouer au Scrabble, on fait ce qu'on veut, quoi. On peut faire un barbecue si je veux, même du billard, tiens. Ouais, ou des claquettes. Il est fou, lui. Vas-y, à toi. Bien! Cool. À moi. Il permet. Attends, j'ai passé grand bordel. Là, t'as le bras tout court. Allez, 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 c'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Ça, allez, go. Allez, vas-y, mon pote. Allez, viens se marrer, tu vois. Viens se marrer, allez. Attention, je rappelle les règles. Règle numéro 1, interdiction d'engueuler sa partenaire. Ouais. Absolument. Bon, et règle numéro 2, interdiction de tricher parce qu'on vous connaît tous les deux. Oui, et règle numéro 3, interdiction de chambrer sa partenaire. Ok, okay. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Vous allez où? Vous vouliez pas vous amuser? Si, justement. Bravo, Chouchou, c'est génial. Je pensais vraiment pas que tu réussirais. T'étais à 2 cm de la boule et tu l'as loupé, dis donc. Oh, vraiment, c'est ballot, hein. Allez, gicle. Mais... Découvre tes mains. Oui, bon, ça va. Alors. Tu l'as loupé. Je l'ai pas loupé. Tu l'as loupé. Je l'ai loupé. Je l'ai pas loupé. C'est pour te montrer ce qu'il faut pas faire. Oui, bien sûr, pour tâche, bien sûr. Attends. C'est ça, allez. Oh, t'es vexé. Qui est chanchotte? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Qu'est-ce que t'as un problème? Non, Jean, arrête! Ça y est, problème, oui. Regarde. Arrête! Jean, ça suffit! Tu ne pas les amis! Pas les amis! Tiens, Jeannette, mon amour, regarde, on va gagner rapide parce qu'en face, on n'a personne. Hein. C'est ah ce ouais que t'as dit. Mais vous êtes en pleine forme tous les deux. Hein. Devine. T'as l'air radieux, en tout cas, Jeannette. Ah ouais, tu trouves? Ouais, vraiment. Ah ouais? Toi aussi, Jean-Mi, t'as la patate en ce moment-là. Eh ben, devine. Moi, depuis que je suis avec Jeannette, je mange 3 fois par jour. Ouais. C'est pas comme avec vous, hein. Des fois, j'allais voler dans le frigo, il m'a compris.
Et puis tu sais quoi, on n'arrête pas de faire l'amour, c'est on vrai. Se part tout le temps. Ouais. On a toujours des milliers de choses à se dire, c'est génial. Ouais, c'est bien, mais ça c'est normal, hein, c'est l'autorité des bus. Ouais, ça dure pas ça. Ouais. Oui, bah justement, en parlant de début, c'est un peu loin pour vous tout ça, il m'a compris. Non, j'ai pas compris, non. Pourquoi oui, bah des débuts, c'est loin, c'est derrière vous. Il m'a compris, jamais dit l'heure. Mais il comprend déjà. Ah ouais, c'est vrai, ça fait quand même 8 ans, vous, hein. Mais alors c'est alors, vrai, ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, ça fait 8 ans qu'on s'aime, ça fait 8 ans qu'on joue au baby-foot, hein, Moulou. Bien sûr, ouais. Et 8 ans, ce qui nous permet de vous foutre une volée. Je sais pas toi, mais moi, la victoire, ça m'a un peu excité, là. Si on allait faire l'amour dans les chiottes, hein, maman. Oh, bonne idée, papa. Alors, elle était jeune. Excellent, excellent. Oh, tu te dépêches, on t'attend pour le billard, là, Alex. Attends, non, non, j'ai pas fini. Regarde, une vraie prod, j'ai pas raté un virage. Je vais même pas tomber dans le fossé, c'est excellent, regarde, regarde. C'est normal que tu perdes pas, hein. Là, c'est la démo, là. Il assure comme une bête, ton mec. Ah ouais, il manie sa queue comme personne. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as dit, là? De quoi? T'as la dernière phrase, là. Il manie sa queue comme personne. Qui ça? Bah toi. Qui ça, moi? Bah Jean. Vas-y, redis tout. Jean, il manie sa queue comme personne. Super, ça, je la garde au chaud, celle-là, tu vois. Jean, il manie sa queue comme personne. 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 J'ouvre la piste, tu me suis, ok? J'ai allez. Un petit peu peur là. C'est parti. Je le sens pas. Non, c'est facile. C'est facile. Ça va tout seul, regarde, ça va tout non, seul. J'en ai peur, là. Mais non, viens, allez. Non, je ne sens pas, je te dis. Mais non, ça va, c'est facile, Alex, allez. Non, viens te chercher. Non, je vais pas venir te chercher, Alex, c'est le seul chemin pour descendre la station. J'ai les jambes toutes raides, je te déjà peur. Je vais pas venir te chercher, merde, allez. Mais viens te chercher. Mais sois pas ridicule. Je t'ai déjà peur. Mais c'est pas vrai, hein. À chaque fois, c'est la même chose, ils m'embarquent toujours dans des trucs pas possibles. Jean! Allô, Jeannette? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Jeannette? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, me dis pas que c'est pas vrai. Non, mais attends, mais c'est pas possible. C'est mais c'est pas possible, Jeannette. Il t'a pas fait ça, quand même. C'est qui? C'est Jeannette! C'est incroyable! Oh là là là, quel secret! Oh là là, Jeannette! Mais non, Alex, elle est pas là, allez! Pff, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, c'est dingue, c'est dingue, 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 dingue! Dingue! Putain, ce qu'il faut pas faire, quoi! Oh, c'est pas vrai, tu es jamais là, moi, merde! Où est cette fille? Attends-moi, Jean, attends-moi! Jean, Jean! Où il est? Jean, attends-moi! Jean, qu'est-ce qui se passe? Une heure pour pisser, qu'est-ce qu'elle fout là? Alors y'a rien à mater. Celle-là elle est vilaine. Celle-là elle doit être de la même famille. Oh ça c'est mignon ça. Ça j'aime bien ça. Ça c'est mignon comme tout ça. Excusez-moi. Vous allez croire à un vieux plan drague, mais je suis sûr qu'on s'est déjà vu quelque part là. Eh hey, tu veux que je te pète la gueule ou quoi là? Oh, espèce de connard, je vais te faire bouffer une perce moi. Non, je croyais que vous êtes pas pour non, qui là? Alex, c'est pas vrai, face blonde, va, dégage, merde. C'est un mec, Alex. Lâche-le. Un peu de tenue, merde. Ça va, mademoiselle, je peux vous aider? Ah, j'ai mal. Vous êtes fait mal? J'ai mal. Attendez. Ah merde. Ça va? Bah oui, ça arrive tout le temps au ski, ça. T'es vraiment saoulante, Alex. Hein. Même au ski, tu peux pas me lâcher, quoi. Alors là...
là, si tu crois que je vais te laisser aller draguer tout seul sur les pistes, tiens, tellement pas. Mais c'est vraiment, mais t'es vraiment. Ouais, fais gaffe. Tu me fais mal, là. Tu me fais mal, lâche. Je te lâche pas. Tu me fais mal. Ah bah dis donc, hein, il a l'air heureux, Jean, à la montagne. Hein. Ah bah tu parles. Regarde comme il est content. Il saute partout. C'est fou, hein. Tu vois, je sais pas si c'est la neige ou l'air pur, mais je trouve que ça lui convient très bien. C'est vrai, hein. Regarde, il est beaucoup plus joueur. Son poil est plus brillant. Non, puis là, au moins, tu vois, il a de l'espace. Il est bien. Il peut courir, il peut se détendre, il peut se dépenser. Hé, hey, tu sais quoi? Il doit être malheureux, quand même, en appartement. Hein. Ah bah tu penses, il est complètement fermé, hein, c'est sûr, hein. Oui. Allez, hop. Regarde. Oh. Regarde comme il joue bien. Oh là là. La prochaine fois, je lui prendrai peut-être une peluche. C'est plus rigolo, un petit lapin. Non. J'ai eu peur. Mais qu'est-ce qu'il a? Jean? 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 Qu'est-ce qui se passe? Jean, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, chine alors, hein! Chine alors! Et tu sais quoi? Je le trouve super sexy! Et ma copine, elle te trouve super sexy, hein! Et vous aussi, les filles, vous ressemblez à deux petites Edelweiss. C'est quoi des Weiss? Weiss, ce sont des petites fleurs de haute montagne. Ouh! Dis donc! Alors, on est des Edelweiss! Viens te coucher, là, t'as vu l'heure? C'est bon, tu poses ça, viens. Non, ça va, j'ai pas sommeil, là. Viens te coucher, Alex. Mais non, je suis bien, là. Putain, je vais pas répéter 10 fois, tu viens te coucher, maintenant, non. Ça va. Hé, elle a dit qu'elle avait pas sommeil. Toi, en revanche, t'as sommeil, toi. Dans 2 minutes, tu dors, là, tu vois. Mais ma Jacques, si te fatigue pas, l'hypnose, ça marche pas sur moi, ok? Ah ouais, ok. Ouais. Oui. J'arrive, mon amour. Ouais, toi tu restes là, hein. Tu vas quand même pas en verre à se mettre sur le bas, quand même. Attends, t'as vu comment il a pété le nez, regarde comme il saigne. Oh, ça m'excite. Alex, oh, j'arrive, mon amour, j'arrive. Oh. Oh, j'ai la dalle en plus, là. C'est nul, leur truc. Je vais te faire un hold-up au restaurant, moi. Oh, moi aussi. Tu sais, je vais me prendre un poulet rôti avec des pommes de terre sautées. Et moi, une grosse plâtrée de spaghettis bolognaise. Oh, c'est bon, ça. C'est bizarre, y a pas de carte. Je sais pas, ça va arriver, peut-être. Ouais. Ah. Bonsoir. Attendez, excusez-moi, il doit y avoir une erreur parce qu'on n'a pas eu d'entrée, alors. Ouais, c'est pas ça. Quel est votre numéro de chambre? Chambre numéro 22. 22. Ben non, c'est bien ça, la formule anticellulite, chambre 22, c'est non, bien. Attendez, non, vous n'avez pas bien compris là. On a faim. Vous voudrez manger le menu traditionnel, quoi. Oui. Du solide, voilà. Manger. Bah écoutez-moi, chambre 22. Non, 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 c'est non, pas non, mais nous, on a faim. Ça bien faire là, j'ai faim maintenant là, il y en a marre. Mais écoutez, sur mon non, plateau, non, 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 attendez. Un problème, là. Oui, il y a un problème, oui, on a faim. On a faim. Ouais, bah c'est ça ou rien. Eh ben c'est rien. Eh ben c'est rien. Allez, très bien. Attendez, quand même, on va manger un peu. Voilà. Il y aura tout quoi? Putain. Attends, Alex, attends. Quoi? Attends, calme. Quoi? Faut pas se lancer comme ça. Qu'est-ce que tu fais? L'eau est verte. Et alors? Et alors? Ça veut dire que le taux d'albumine est supérieur au taux de chlore. Et alors? Et alors? Ça veut dire qu'on s'apprêtait à sauter dans un bain de pisse, ma vieille. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Le dernier halo est une merde! Alex, je sors, j'ai trop chaud là, je tiens pas. Non, Loulou, reste encore un petit peu, Loulou. Le hammam, c'est très bon pour la santé. En plus, ces derniers temps, t'as pris un petit peu de poignée d'amour là, regarde-moi ça. C'est joli. Non, c'est pas beau ça. C'est beau. Mais si, regarde, fais comme moi, tu verras. Allez. Tu seras tout beau après, tu vois? Ouais. Je vois, oui. Ni
bien là. Hein. Tu es si belle. Mesdames, aujourd'hui est un grand jour puisque nous accueillons un homme dans le cours d'aquagym. Jean. Bienvenue. Moi aussi. Allez, happy face sur l'attaque. Je lève les bras vers le haut. Je lève les bras vers le bas. Je lève les bras vers le haut. Je lève les bras vers le bas. Je lève les bras vers le haut. Je lève les bras vers le bas. Bon, ça suffit les morues, hein. Maintenant, vous dégagez, il est à moi. Oh. Moi, j'essaie de patrouiller. Où tu vas? Je lève les bras vers le haut. Je lève les bras vers le bas. Oh, tu me souffles, hein. Ça draine énormément, en fait. Mais c'est très bon pour la circulation. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous finissez pas votre repas? Non, ça va, merci. Non, merci, moi, ça me suffit. Vous voulez encore un peu de potage, peut-être? Oh là, non. Non, vraiment, c'était un régal. Je suis repu, merci. C'est vrai? En tout cas, je suis très fier de vous et des progrès que vous avez accomplis. Et au nom de toute l'équipe, on vous dit bravo. Hein, et pour vous féliciter, regardez, ces deux petites images du Touquet. Oh, dis donc. Hein, regardez, deux petites images. Oh. Et au bout de cinq, vous gagnez un tout petit bouquin sur l'historique du Touquet. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Voilà. Très bien. Allez, bonne soirée. Super. Merci beaucoup. Mais merci, hein, c'est gentil. Allez, vas-y, vas-y, attends, attends. Allô, pizza tata? Oui, bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir deux pizzas reines pour la thalasso du Touquet? Voilà. Oui, là tout de suite. Avec des pepperoni, oui. Et du chorizo aussi. Voilà, des poivrons et beaucoup de fromage. Avec plein de fromage. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi des desserts? On pourrait avoir des glaces, des gâteaux, du chocolat, des de la chantilly. On pourrait prendre du rosé, du rosé. Et du rosé, du rosé. Et du rosé. Bonjour, vous désirez boire quelque chose? Oui, moi je vais prendre un petit jus de carotte, s'il vous plaît. Moi je vais prendre un café. Non, Loulou, tu devrais pas prendre un café, ça excite, on est en salle de repos, il faut que tu te détendes, on prend une tisane sans sucre. Ok, va pour une tisane alors. Voilà. Non, Loulou, écoute, quoi? N'écoute pas de la musique comme ça. Ou alors écoute de la musique naturelle, je sais pas, moi, le bruit des vagues, la nature, l'océan, ouais, tu vois? Des trucs chiants, quoi. Non, écoute, Loulou, fais un break. J'ai des messages, Alex. Écoute, oublie le boulot un petit peu. Oh. À quoi tu penses? À Paris. Bah non, faut pas penser à Paris. Pense à des paysages. Ouais. Je sais pas, pense à la mer, okay. Pense... Non, je vais prendre l'air, là. T'as raison, et n'oublie pas de respirer avant. Ta gueule! Bouge, va où? J'ai peur, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Mais calme-toi, tu vas l'avoir, ce job, c'est bon. Ils sont pas de toi, hein, ça va. Mais regarde, ils ont l'air tous de pros, regarde. Et toi, t'es pas une pro, toi? Oh, tu parles, hein. Attends, ces mecs-là, je les connais, hein. Les costards cravates, l'air suffisant, là, ça va. Hein. Ils sont comme toi et moi, je veux dire. Hein. Tu crois? Mais bien sûr. Je vais me te dire, on est mieux qu'eux. Nous, on est mieux qu'eux. Dans les grandes boîtes, les mecs sont tous orgueilleux, avides de pouvoir, alors que nous, on est humains. On bouge pas, nous. Ouais, c'est vrai, ça. Mais bien sûr. Regardez-les comme ils s'activent, là. Les mecs, ils sont tous là, ils sont shootés au travail, à la performance. Ouais. Quand je vois tous ces petits patrons, là, qui exercent leur pouvoir sur les employés, ça me fait gerber, moi. Oui, ça, c'est vrai, ça. Mais bien sûr, t'as pas de sentir inférieur. Alors, vas-y, quoi, donne tout ce que t'as. Tu le veux, ce job? Ouais, je le veux. Eh ben, vas-y, prends-le. Bien sûr, c'est ton droit, tu peux y aller. Tout à bien fait. Sûr. Oui, c'est vrai. T'as raison, je vais y aller tout de suite. Mais calme, doucement, comme... Espèce de petit patron minable! Vous vous croyez supérieur? À quel moment on s'est pas compris, Alex? Non, mais tu vois, faut que je me batte. Ouais. Il faut que je lui montre que j'en veux, il y a mort. Ouais. Il faut que je me vende. C'est ça. C'est ça. La gagne, la haine. Exactement. Il faut que je lui prouve qui je suis par A plus B, ouais. Tu vois. Et plus C plus D même, jusqu'à il faut Z. Que quand il me voit, il percute. Il dit, cette nana, faut que je l'embauche. C'est ça, direct. C'est ça, ouais. Bon, maintenant, mes qualités, c'est quoi? C'est-à-dire? Ben, mes points positifs, mes qualités, tu vois. Bon,
mets des fonds alors. Ok, alors souvent en retard, de mauvaise foi, contestataire, tu papillonnes à droite à gauche, t'es dépensière, tu prends aucune initiative, qu'est-ce qu'il faut dire, tu disperses, t'es bordélique, angoissé, souvent c'est vrai, ça t'arrive ça, hein. T'as besoin d'être rassurée aussi, t'es jalouse, t'as besoin d'appeler ta mère sans arrêt pour un oui, pour un non, t'es envahissante aussi quand il y a mes potes. Non, mais ça va, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est ça, ok. Bon, bah maintenant mes qualités. Ah bah tes qualités, tu vis avec un mec exceptionnel, tu as très bon goût. Oui, mais mes qualités. Eh ben, je te l'ai dit, t'es jalouse, t'es chiante, hystérique. Non, mais ça, c'est pas des qualités, ça. Ah bah t'en as pas, alors. Bah si, tu m'aimes, et ça, c'est l'essentiel, tu vois. Hein? Allez, on y croit? On donne tout ce que t'as pas. La gagne, la gagne, la gagne! Vas-y. Je sais que tu peux pas le faire. Bon. Qu'est-ce qui vous motive dans ce poste, mademoiselle? Bah, le salaire. Oui, mais à part ça. À part ça? Bah, rien. Vous voulez que je sois motivée par quoi? Par le fait de me réveiller tous les matins à 7h du mat? Pour me taper 2 heures d'embouteillage pour venir bosser? Pour me coltiner pendant 8 heures des gens à qui j'ai strictement rien à dire? Pour faire un sale boulot débile et mal payé en plus? Oh, oh, je suis désolée, mais là, fallait que ça sorte, quoi. Ça fait depuis ce matin que je passe des entretiens et j'en ai, mais alors, ras-le-bol, je sature. J'en ai marre de jouer les filles ultra motivées, vous comprenez ça? Alors, je suis désolée, ça tombe sur vous. C'est comme ça, mais merci beaucoup, au revoir. Et à jamais, j'espère. Merci, au revoir! Alors, le CV est bien, hein, il arrache, hein, t'as vu? Oui, oui. Costaud, mais, hein, mais il est très très bien, simplement, je t'ai dit, en ce moment, on n'embauche pas. Si, prends-la, Francis, arrête, me fais pas ça à moi, s'il te plaît, on est copains, non? Mais franchement, genre, je peux pas, en ce moment, je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? Fais ça à moi, c'est la meilleure, je t'offre la meilleure, elle est faite pour ce job, tu le sais, en plus. Oui, non, mais c'est pas ça, je te dis. Mais c'est quoi? Non, mais c'est pas le problème. Mais c'est quoi le problème? On a 158 candidats différents. Mais je te parle pas d'une vulgaire secrétaire, je te parle d'embaucher une collaboratrice, c'est une bombe, je te promets, quoi. Fais ça pour moi, s'il te plaît. C'est bien toi qui est responsable de l'embauche. Oui. Alors fais-le, s'il te plaît. Je peux pas. On est copains ou pas? Oui. On est copains? Oui. Alors fais-le, top là. Top là. D'accord. Top là. Super. Attention, hein. Je fais ça pour toi. Hein. Non, moi, je fais ça pour toi. C'est la meilleure. D'accord. Hein? Je vais chercher les papiers d'embauche. Génial. Excusez-moi. Alors? C'était super, mon amour. Qu'est-ce bravo. Qu'on dit? Bravo. T'as vu ça un super. Peu? Les bras longs, moi. Oui. Ce que je veux, moi. Pourquoi t'es toute décoiffée là? Recoiffe-toi là, ça fait vulgaire, c'est pas bien ça. Oui, t'as raison. Bah non, attends, faut présenter ici, attention, hein. Responsable maintenant, hein. Hein? Merci Lulu. Non, non, c'est rien. Trop ça. Fort. Je l'ai embrouillé le père là. Salut tout le monde! Salut! Bonjour! Bonjour! Ouais. Salut tout le monde! Ah, oh, salut les filles! Bien, et toi? Belle forme? Ouais! Ouais, super! Dis donc, ça va ta coupe de cheveux? C'est chouette! Ça va, Ben? Ouais, super! Oh, Oliver! Tu vas bien? Belle forme? Oh, cool! Oh, les amoureux! Salut! Ça va bien? Ouais? Et c'est bébé? Ça roule? Génial! Oh, mon Greg! Super! Bon, Alex, monsieur. Tu vas bien? Et toi? Qu'est-ce que tu prends? Comme d'habitude. Allez. Bonjour. Un vase pour la belle. Merci. Ça va, mon amour? Ouais. Mais attends, tu connais tout le monde, là? Bah oui, je viens tous les jours. Ah ouais. Moi aussi, je viens tous les jours. Personne m'embrasse, moi. Et vous, monsieur, vous désirez? Ah bah, je prends un petit vase, moi. Allez. Voilà. Un petit vase pour le puceau. Allez, Chine. 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 Santé tout le monde. Santé. Hé, hey, sortez tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, ça va? Ça va. Tu mets pas le 10. Non. Désolé, messieurs, dames, plus que 2 minutes pour le loto. Ouais, ok, ouais, ça y est, on se dépêche. Allez, vite. Oui, mais bah, attends, ça se fait pas comme ça, grille de loto. Faut être organisé, là. D'accord. Alors, je sais pas, mais nos dates de naissance, par exemple. Non, ça marche jamais, les dates de naissance. Ça marche pas. Eh ben, t'as qu'à mettre le 22.
Le 22, pourquoi pas le 32, c'est nul le 22. Non. Je sais pas, Lou, le. Je sais pas, Lou, donne un chiffre. Mais il y en a plein de chiffres, je sais pas. Il y a une minute. Oui, non, alors, on se dépêche. Je sais pas, Lou, il y en a plein, il y en a plein. Vas-y, choisis, dis un truc, je vais réfléchir comme ça. Nichon. Ah bah tu m'as dit sans réfléchir, moi je. Moi sans réfléchir, je. Toi. Ah bah t'es. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Pour moi, c'est des gros nichons. Bijon. Allez. Non, non, merci. Pourquoi j'ai des nichons? Qu'est-ce que j'avais derrière moi? Je suis frais comme un carton. Comme un carton. Bon, les gars, j'y vais. Moi, sinon, je vais me faire triper par ma femme, là. Non, Jean, assieds-toi, c'est ma tournée, là. Non, j'y vais, là, je peux plus. Jean, tu poses tes fesses, c'est ma tournée, reste là. Bon, allez, dernier vase, hein. Naïté, je t'ai vu la culotte, de la culotte, de la culotte. Naïté, je t'ai vu la culotte, la culotte, je t'ai vu. Naïté, je t'ai vu. Allez, deux secondes, les gars, deux secondes. Oh, deux secondes, les gars. Faut que j'appelle ma femme, deux secondes s'il vous plaît. Chut. Sérieux, sérieux. Non, sérieux, sérieusement. Non, non. Non, arrête, je vais me faire tuer sinon. Merde, c'est répondeur. Attendez, deux secondes. Ouais, chouchou, c'est moi. Arrêtez, ça va. C'est bon. Non, c'est naze ça. Arrêtez. Ouais, chouchou, c'est moi, je suis encore au bureau, là, j'ai plein de boulot, j'ai plein de travail. Je rentrerai sûrement très très tard. T'as qu'à te coucher, ne m'attends pas. Hein? Voilà, bisous. Ciao. La culotte, Maïté, je t'ai vu la culotte, je t'ai vu. C'est marrant, je viens de te laisser un message du bureau. Du bureau? Ouais. Tu te fous de moi? Tu vas rentrer à la maison tout de suite, hein? Oui, ça va. Ah, attendez. C'est moi le chef, les gars. J'arrive. Et là, tu vois, on a opté pour une couleur jaune très lumineuse. Ça agrandit la pièce. Mmh. Bon, bien sûr, il manque quelques finitions par-ci, par-là. Hein. Ça se voit. Et t'as vu, j'ai fait moi-même les rideaux. Oui, ça se voit. Et devant la fenêtre, t'as vu, j'ai mis une commode. Alors c'est vrai que bon, on peut plus ouvrir la fenêtre, mais de toute façon, comme on l'ouvre jamais. Oui, ça se sent. Bon, tu veux visiter là-haut? Oh non, tes escaliers, je les trouve un peu raides, moi. Je verrai ce soir, hein. Tu sais, je suis plus toute jeune, moi. Ça se voit. Mais dis donc, est-ce que c'est une manière de parler à sa belle-mère? Je vous signale que j'ai fait un très long et très fatigant voyage pour venir jusqu'ici. Ça se sent. Bon bah je vais vous faire visiter la maison. Bon bah d'accord. Alors là vous avez le salon. Bah oui, je vois bien. Bah je vous le dis, belle maman, c'est tout. Hein. Je déteste le jaune. Oui. On passe à la salle de bain? Oui, j'adore les salles de bain. Attention à la marche. Hein. Là, c'est la chambre. Hein.
le temple de notre amour. Oh, ça va. Bah quoi? Oh, bah maman, hé. Hey. Là, c'est la salle à manger. Ah bon? La cuisine. Ah oui. Eh oui. Voilà, là, c'est l'entrée, quoi. C'est une entrée tout à fait banale, hein. Et là, c'est la rue. Allez, salut! Merde. Jean! Jean! On va voir la porte tout de suite! Je suis pas là! Oh. Mais quel imbécile, alors! Mais Jean! Jean! Oh, c'est pas Alex, moi, fais c'est quelque chose! Je vais chose. Visiter la rue, attends! Ouvre-moi la porte, Alex! Jean, quel imbécile, je garde! Je peux pas les bloquer, là, je peux pas! Jean, ouvre la porte! Bon, Loulou, je vais faire des courses avec maman. Prenez votre temps, hein. Tu gardes Canaille? Ouais, Canaille, ouais. Oh, Loulou, écoute, laisse pas traîner tes chaussettes comme ça partout. C'est pas moi, c'est le chien, Alex. Assume un peu. Oh, ma chérie, j'ai nettoyé les toilettes. Il y avait de l'urine partout. Ouais, bah, faut pas chercher qui c'est encore. Mais c'est pas moi, c'est le chien. Ouais, c'est ça, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Canaille. Canaille. T'en as pas marre de foutre la merde? Hein? Y'a pas de respect? Tu le sais, ça? Putain, viens, 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 petit, viens, viens là, viens. Putain, c'est pas vrai. Oh, il y en a comme ça tissé là, oh. Putain, c'est pas vrai. Merde, elle a un continent ou quoi? Oh, c'est besoin de pisser là. Jean, c'est déjà occupé, là. Ah ouais? Cette fois-ci, j'attends. Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de pisser? Putain, enfin, quoi! C'est vous, belle-maman? Gagné! Je parie que vous en faites une beauté, là. Oh, bah oui, comment vous le savez? Oh, intuition masculine. De toute façon, on n'aura pas mieux, ça sert à rien, vous serez pas plus belle, hein. Oh, goujat! Violet Dron. Mais quel salaud! Y'a que la vérité qui blesse, pot de poulet. Oui. Tête à claque! Oui, oui, oui. Petit morveux de merde! Raclure de bidet! C'est maman? Ben oui. Je sais pas ce qu'il y a, ça fait 10 minutes. Je te l'avais dit qu'elle était un peu. Mais. Espèce de sale. Maman! Merde! Maman, c'est Alex! Ouvre! Calme-toi! Ouvre la paix! Maman, tranquille! Maman, ouvre la porte, calme-toi! Maman, c'est moi qui Alex! Sac à merde! Espèce de connard! C'est pas possible de rajeunir aussi con! Putain, il me saoule ces deux-là, quoi. Vivement qu'ils se barrent. Hein. Ils sont pénibles. Putain, Pierre 8, il arrête de me vanner, j'en ai marre, moi. Hein. Sinon, je retourne les doigts, moi. Je suis un fou, hein. Tu me connais, hein. Mais elle, si elle me demande encore une fois où on doit partir en vacances, je la saigne. Ouais. Puis qu'il arrête de me parler de son kart, ses championnats, là, ouais. Ça me gonfle son karting, là. Je vais l'enterrer dans le jardin vivant, tu vois, ça va pas traîner. Et elle, si elle continue à me dire qu'elle a des fesses et des seins de mannequin, ouais. Je la balafre. Mais attends. Hé hey Jeannot, hey, dépêche-toi, je viens de retrouver mes photos du championnat de France de kart. Alex, moi j'ai celle de mes séances photo à Saint-Martin. Trop cool. Bon, je vais chercher la pelle dans le jardin. Je t'accompagne. Comment tu les trouves? Adorable. Bien. Hein. Ah non, vraiment super. Ouais. Quoi. Qu'est-ce qu'il est drôle, Christophe. Ouais, super drôle. Oh, super drôle. Il m'a fait rire.
Bah, tu sais, il fait les conventions et les mariages, hein. Oh, bah, ça m'étonne pas. Il bidonne tout le monde, trop de talent, ce mec. Ouais, ouais. Puis alors, Stéphane, ouais. Grande classe. Grande classe, ouais. Très gentleman. Ouais. Très lord, ouais. Très. Vraiment. Vas-y, ouais, et bien, ouais. Puis Jérôme aussi, passionnant. Bah, attends, Jérôme, c'est une tronche, Bac plus 12. Quand même, ça se voit. Bah, tu vois. Ah, non, bien. Super. Même leur copine, tu vois. Oui. Ouais, tu vois, elles s'adaptent, elles sont là, présentes, elles se marovanent et oui, tout, elles sont bien. Simple, naturel, vraiment ouais, super. Complètement, ouais. Non, c'était un dîner réussi, hein. Globalement, ouais, bien. Rien à dire. Absolument. Non, bien, très très hein? bien. Non, vraiment, rien à dire. C'est limite chiant à force. Ouais. Hein? Moi, j'ai un petit peu d'accord. Tu vois, ça décolle pas. Non. Non. Ça merde. Non, non. Ouais. Tu veux pas que la prochaine fois, on invite des gens qu'on aime pas? Pour moi, j'aime bien quand on se retrouve en cuisine comme ça. Quand j'aime bien ça. Oui, genre Christophe et Jennifer, oui, ils sont bien cons, ça. On se fait un kiff, demain on les invite. Oui, oui, c'est ça se marie. Ouais, on va aller chercher un petit peu, mais bon. Stéphane, Jérôme. Qu'est-ce qu'ils bouffent? Qu'est-ce qu'ils picolent, t'as vu ça là? Mais attends, on dirait qu'ils ont pas mangé depuis 8 jours. Ils ont jamais bu un verre de vin. Oh la vache. C'est peut-être parce que c'est bon, remarque. Hein. C'est possible. Ouais. C'est quoi? Je crois qu'on les gâte trop. Ouais. Mmh. Ouais, je crois. Tu vois les petits gâteaux comme ça, là? On devrait les garder pour nous. Ouais. Non? Ouais, ouais. On est combien? 4. Ok. Mmh. Et c'est parti. Le dessert! Je pense qu'il est salvateur de se réserver des moments de... Mais... Bon, qu'est-ce que t'attends? Oui, mais ça va, le temps de mettre les pics sur les olives, j'arrive. Non, ça, je m'en fous. Qu'est-ce que tu attends pour lui demander le fric qu'il nous doit? On est à l'apéro, Alex. Je attends, pas... je m'en fous, Jean. Ça fait un an qu'il nous doit. Alors, tu vas lui demander tout de suite. Non, je vais lui demander. Tu vas lui demander tout de suite, oui, Jean. Mais ça oui, bon, j'espère bien. Mais j'espère, mais j'espère. Ça va. Attendez. Alors? Alors? Quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as demandé? Non, je. Voilà, j'étais sûre. Mais attends, j'étais sûre. Peux parler, pourquoi je vais pas demander à ton avis? Bah, je sais pas. Mais parce qu'on est au plat, il y a une bonne ambiance, j'allais pas tout torpiller là. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de l'ambiance? Tu vas lui demander le fric, oui, ça fait un an qu'il nous doit. Je vais lui demander, t'en fais pas. Tu vas lui demander tout de suite. Oui. Tout de suite. Oui, j'espère. Oui. C'est pas une couille molle, hein. Pas peur, hein, moi. Je vais lui demander. Après. Oh non, merde. Alors? Mais je. Oui. Voilà, je... t'as pas demandé. Si, je. Non, mais... T'as pas demandé, mais si, j'ai essayé de lui demander, seulement il a parlé à ce moment-là et je voulais pas l'interrompre. Ça se fait pas, c'est mal élevé, quoi. C'est mal élevé? Bah, oui. Et de voler l'argent des autres, c'est pas mal élevé, ça? Il a pas volé. Si, il a volé, c'est pareil. Ok, ok. D'accord, ça va, oui. Tout de suite, vas-y. Oh, quelle bonne idée. Mais regarde ça. Qu'est-ce que t'attends? Mais j'allais le gars, j'allais. Si, j'allais. J'attendais le gars. Mais j'attendais le gars. Oh merde, il y en a marre, oh Christian! Maintenant, tu me rends mes 10 euros et tu te barres avec ta morue! Voilà, avec tes conneries, on a le fric, mais on n'a plus d'amis. Tu vois, c'est pas bien de s'énerver, hein. Il nous a du fric, il nous a du fric. Joyeux anniversaire, Christian! Hop, il est parti! T'as vu, Loulou, ils ont rien mangé. Pourtant, c'était super bon. En plus, j'avais préparé les petits légumes. Je les avais fait revenir dans du beurre. Je les avais émincés et tout. Pff, bon, c'est pas grave, on le gardera pour demain. Enfin bon, c'est dommage quand même. C'était super bon. Tu ramènes le pain, s'il te plaît? Tu m'en veux là, t'es en colère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça t'amuse de m'humilier comme ça devant tout le monde? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, vous devriez venir plus souvent, comme ça me permettrait de mieux manger. Merci, c'est sympa. Mais c'était une plaisanterie, Alex, c'était une vanne. Tout le monde l'a compris comme ça d'ailleurs. Devant toi, dès qu'on déconne. Bon, excuse-moi, je trouve ça pas drôle. Tu sais ce qui est bien chez toi? Non. Ben moi non plus, tiens. Là. Je lève mon verre au pire dîner de toute ma vie. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore là? Il y en a pas un, tu m'entends? Il y en a pas un qui est venu me dire que le dîner était bon. Rien.
Alex, tout le monde est content, on passe une super soirée, ça va, ils ont apprécié ton repas, je te dis, ça va, allez. Mais alors qu'ils viennent me le dire, je m'en fous, moi. Je te préviens, je sors pas de la cuisine tant qu'il y en a pas un qui sera venu me féliciter. C'est ridicule, viens. Va transmettre. Ah, c'est ridicule. Va transmettre. Ou alors on va chez moi. Yes. Putain. Alex, merci, c'était délicieux. Merci à toi, ah, vraiment. Merci. Merci Alex et bravo pour ta sauce. Très très réussi. Ouais, je sais. Ah, vraiment, ah, t'es un chef, hein. Oh, bravo. Merci. Ah, non, c'est vraiment gentil. C'est vraiment super bien, merci. Ouais. Merci, c'est sympa. Une pure merveille. Ouais, je sais. Super. Oh, mais c'était rien, hein. Vraiment. Alors, t'es contente? Ah, oh, ouais, je suis contente. Sympa, mes copains, hein. Super. Oh, qu'est-ce que je suis contente, moi. Ah, ça va mieux. C'est encore une journée avec Marion et tout, c'était super ouais, cool. Ouais, bah, le temps qu'elle passe donc, 40 voilà. coups de fil et on commence. Je te fais des gros, des énormes bisous, bah, okay. J'espère que tu vas bien et puis bah, on essaie de se rappeler dans la semaine. Ex. Quoi. Gros bisous et à plus. Action. Ciao. Ok, donc on en est à la lettre A, elle doit aller jusqu'à T. Voilà. Allô Pascal, ouais, ouais, merci. Ouais. Il faut que je recule encore. C'est lui qui t'a fait mal. Non, c'est bon, là. On va juste mettre un petit coussin sur les fesses de la vas-y. C'est un peu nabo. Non, mais ça m'énerve plus du tout. Hein. Vous pouvez continuer, mais je vous le dis, ça m'énerve plus du tout. Je vais juste en emplâtrer c'est un. Pire, je sais pas qui. Oh, attends, je vais me reculer. Moi, je pense que ça va être moi parce que. J'ai non, non, mais en plus, moi. C'est vrai. En plus, c'est en pas plus, grave. C'est vrai, ça va être moi. Je m'énerve pas du tout. Non, non, mais je m'énerve pas. J'ai pas envie de m'énerver en plus. Hein. Non, non, mais je suis. En plus, je suis pas du tout de mauvaise humeur. J'ai pas très, très bien dormi. Il y a quelques trucs qui m'ont un peu titillé. Mais ça va, je suis pas de mauvaise humeur. J'ai pas du tout envie d'être bougon. J'ai très envie de jouer. Je trouve ces scènes très, très drôles. Je trouve que c'est une équipe magnifique. Ta gueule! Alors, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, bien sûr. Attends, tu vas tomber sur ton futur employeur. Là, j'étais sur une barque à Vincennes. Mais tu vois, il faut que je me batte. Ouais. Il faut que j'en veuille à mort. Oui, il faut que je lui prouve qui je suis par A plus B, tu vois. Ah non, c'est pas ça. Mais peu importe, c'est pas grave. Ouais, mais bon. Mais c'est pas grave. Parlons, ouais. Putain, pépère, hein, toi. Non, 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 mais quand c'est. Quand on mieux. Dit pas le texte. Ta gueule, putain, je peux dire quand même, oh, tu te gourdes dans le texte. Alors, elle me casse les couilles, celle-là. Grave, eh ben, tu vas jusqu'au bout. La gagne. Tu pourrais plus aller, j'aurais pu continuer. Putain, elle va me péter les. En plus, elle me pète les couilles, mais t'es chier, toi, ou quoi, là? Ambiance de merde. Je parle même plus maintenant. Je ne regarde même plus. Allô? Oui, ça serait pour un casting pour un gagne-film. Quelqu'un de drôle. Il faut que tu vois, quand ils me voient, ils percutent, ils disent. Ouais. Cette nana, il faut que je l'embauche direct. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ouais. C'est quoi maintenant mes points positifs? Non, pardon, excuse-moi. Vu que j'ai changé un peu le texte, ça me perturbe alors. Et ça continue. Elle se viande et c'est de ma faute. Oui, j'ai pas osé te le dire, mais. Moi, je suis dans le speed, quoi. Oui, n'essaye enfin, pas de entre, chercher entre une balance. Le speed et un arrête petit de peu descendre charmier. Les meufs sans arrêt. Putain, je la lance, je suis en perfection depuis tout à l'heure. Bordel de merde. Vous voyez pas la mise en espace que je fais, là? Putain, repasse les images ralenties, je fais ça. Ça, personne le voit. Putain, ça m'énerve, ça. Alors voilà, ça y est, alors maintenant, voilà. Alors maintenant, ça y est, c'est redescendu. Oh, ça y est, le pinot. T'as vu, c'est vraiment très meuf, ça. C'est d'un coup, c'est faire... Ah non, attends, il faut faire... Parce que, merde. Oh, les filles, on perd les filles. Ah, oh, on perd les filles, c'est fantasme, hein. On vous connaît, hein, je connais vos. Vous quoi? Je vous ai déjà niqué, hein. Non. Il y a un truc, c'est que quand Jean est pas content, il ne te regarde plus dans les yeux. Jamais. C'est hallucinant. Jamais. Et quand on joue depuis pareil. 3 ans, à chaque fois, jamais. Je sais que quand tu la regardes pas, c'est que t'es pas content. Non, il me regarde pas. Et même dans le jeu et tout, il me regarde pas. C'est terrible. Il me regarde, tu sais, genre là, mais jamais dans les yeux. Il gère les défauts, quoi. Alors écoutez, arrête, dis ta femme de ménage, arrêtez. Oui, voilà. Un gars et une fille. Mon cul, voilà. Je regarde ce que waouh, j'ai fait la Parigo. C'est toujours le même mec. Vous travaillez pas à la Palazzo ou? Ah oh, ouais, ça se fait pas comme ça, les grilles de l'auto. Merde. Pour ça, c'était pour moi, c'était pour rigoler. Allez, non, bon, c'est pas mal. Allez, action. Ah,
Pourquoi t'es comme ça, là? Parce que quand je m'avance vers Nani, quand j'avais pas ça... Je reste pas plus petit qu'elle, moi. Non, 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 non. Je reste pas plus petit, moi. C'est sa petite virilité qu'on prend, petit bonhomme. Non, regarde, non. On est pas bien, là. Je reste comme ça. Non, non, pas pour toi. Je pour elle. On va enlever celui-là. Ah, ça va, mais... Tu sais que j'ai planté. Non mais non, mais moi je suis tout petit là. Mais non. Elle a un grand cou en plus déjà. C'est que naturellement quand on est assis à côté de... Mais parce que genre un petit buste. T'as un petit... Non si c'est vrai. T'as un petit buste. Et c'est pas grave. J'ai pas un petit buste, j'ai pas beaucoup de cou. Parce que je suis justement très très musclé d'ici. Alors que toi t'as un coup de merde comme ça comme les Africaines là. On pourrait te mettre des... Regarde ça, regarde ça. Mais non, ça va pas, ça, elle est trop grande, là. Moi, je joue pas comme ça. Allez, non, vous appelez mon agent, maintenant, il en a marre. D'accord, Grégory, le salon est... Ouais. Non, là, ça va, là. Mais je suis tout petit, là. T'es malade. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Oh, ta gueule. Allez, silence. Moi je m'excuse, une meuf qui pleure, hein. Ça me fait rire aussi. Genre. Oh merde, ça fait rire un peu, ouais. C'est vrai. Hein. Je prends mes... Une meuf qui pleure, moi j'ai souvent envie de rigoler. Hein. Ah, ouais. Non, c'est pas vrai. Comme ça. Ah oui, c'est vrai. Comme ça. Ok. Ok. Got it. Je vais me faire chier. Faut pas que je regarde. Oh, je vais pas la sentir. Ah bordel, c'est pas possible. Oh putain, je vais me faire chier. Culé. Allez. Oui, mais elle est là, hein. Chiotte, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais foutez-la moi près du trou, bordel. Parce que tu sais pas choper. Non, mais vous pouvez pas essayer de la choper? Allez, va. Là, tu vas y arriver, là. Ah non, bouge, ouais, c'est bon. Mais tape pas trop fort, tu tapes trop fort. Écoute, non, mais c'est ça qu'il faut, le crack. Oh, chiotte. C'est vrai que t'es une merde. Y'a pas de respect? Silence, s'il vous plaît, on tourne! Du silence, je vais jouer! Dis donc, Francis, tu fais tout d'une traite? Hein? Tu fais tout d'une traite? Du silence! Bon, alors je vais peut-être me mettre en place. Je vais occuper l'espace. Silence! Personne ne réagit. Du silence, merde! Elle était pas vraiment fermée. Là, c'est... Putain, c'est pas moi, mais elle arrive là-bas! Attends, tu vois, c'est trop. Elle était malade! Putain, c'est pas vrai! Ah! Enfin! Allez! Bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est? Bah, montrez-moi la caméra. Vous vous appelez comment? Attention, ça tourne, on est en place, on fait plein de silence. Je vais foutre des coups de la... Arrête, t'as fait des marques. C'est pas grave. Oh, merde. Oh non, étale pas. Oh, merde. Allons-y, ça tourne. Non, y'a rien. Y'a rien. Non, non. Ah bon? Mais non, s'en fout, on voit pas. Oh! Putain! Enfin! Putain, mais... Merci beaucoup, c'est mon plus gros rôle. Je serai à Toulouse le 24, à Nîmes le 26. J'en ai ras le bol maintenant, j'en ai marre, je veux plus te voir. Maintenant, je veux plus te voir.
Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Salon ! Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Et tes bijoux pourris, tu peux les garder, merci ! Et le final. 1, 2, 3, 4, 5. Oh merde! Oh, c'est un joli bêtisier là. J'ai glissé de ça, là, dessus comme ça. Eh oui. On est en live, hein. C'est la vraie vie, hein. Comme dans la vie, hein. Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça, c'est les impondérables, c'est pipi, de ton. Elle vient, Alex? Elle arrive. Ah, okay. Pète-moi la gueule alors. Oui, t'as baisé ma femme, quoi. Aïe. Ouf. Oh. Oh. Ah, bah voilà la directrice. Ah, production. Ah. Ils avaient éliminé productrice. Aïe. Oh, Alex. Ah. Cache ton micro, enfin. C'est qui ce meuf? C'est qui quoi? Bah, c'est Alex. Mais qui parle et tout? Mais vous croyez où? Donc j'ai oublié. T'as oublié, mais t'es qui toi? Mais t'es qui toi? Hein? Non, vous n'aurez pas de carte, ne restez pas. Allons-y.